Très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission ActuBase. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette tranche dédiée aux commentaires, au décryptage, mais aussi à l'analyse de l'actualité qui va revenir sur la condamnation en appel de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a vu sa peine être réduite de 20 à 13 ans. Des travaux forcés. Pendant ces temps, son parti politique, l'UNC, annonce une réunion cet avant-midi au cours de laquelle il va plutôt dégager les grandes lignes après la condamnation de son leader. Et Sami Jamal, qui a été aussi condamné pour la même affaire, a vu sa peine être réduite de 20 à 6 ans de prison. Pierre Mouima, qui était chargé de l'import et export au niveau de la présidence, a également vu sa peine être réduite de 3 à 1 an de travaux forcés. Matata Ponyo ne sera plus poursuivi dans l'affaire Bukangalonzo. Les sénateurs ont voté contre la levée de ses immunités. C'était à l'occasion de la clôture même de la session de mars au niveau de la Chambre haute du Parlement. 49 sénateurs ont voté contre, 46 ont voté pour et un sénateur s'est abstenu du vote. Matata Ponyo, sauvé donc par ses collègues du Sénat. Enfin, Félix Tshisekedi en tournée au Nord-Kivu, il est déjà à Beni. Il a visité les sinistrés et il a annoncé également des mesures pour riposter contre la troisième vague de Covid-19. Voilà donc, mesdames et messieurs, le menu de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Mardoché Ntsele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue, Maître. Merci beaucoup, Hervé. Comment allez-vous? Non, ça va, Dieu fait grâce. Les lois là-bas, Richard Mouyel, Jussi Masuka, comment ça évolue maintenant? Non, la province évolue très bien. D'abord, il y a des avancées très significatives. Je voudrais parler du secteur minier et surtout l'artisanal. Madame le vice-gouverneur a mobilisé, n'est-ce pas, la DRLU, la CEMAF, COA et tous les artisanaux, les coopératives minières qui regorgent à l'heure ça beaucoup de creuseurs. Aujourd'hui, la province a enregistré quelque chose de plus de 6 millions, n'est-ce pas, de recettes, ce qui est déjà une grande avancée significative parce que vous savez, il faut toujours faire un travail et un travail qui donne des retombées très positives. Alors, je m'en vais aussi dire, sur le plan infrastructure, Madame le vice-gouverneur a lancé, n'est-ce pas, l'asphaltage de plusieurs avenues. Il y a aussi des ponts qui sont lancés. Il y a la construction de l'édifice qui doit être construit. D'abord, les travaux ont déjà commencé au golf. Et en dehors de ça, Madame se met toujours à travailler. Le grand souci des Fifi, c'est de pouvoir réunir tout autour d'elle toutes les communautés, toutes les tribus, toutes les ethnies, au-delà de tout ce que les gens rencontrent. Donc, je suis moi personnellement satisfait des avancées que Madame a faites dans moins de 5 mois. C'est quelque chose de grande importance. Très bien. Madame est annoncée à Kinshasa pour la fin de cette semaine. Quel est l'enjeu même de ces voyages? Probablement. Je ne connais pas le programme, mais sinon, si elle arrive, c'est toujours dans le cadre officiel pour peut-être un travail, une séance de travail en quelque sorte. Alors pendant ce temps, quel est l'essor réservé à Richard Mouyage? L'essor réservé à Richard Mouyage, je vous dis, la fois passée nous avions parlé, nous nous sommes dit, voilà, nous, moi je suis intellectuel, je suis un homme de science, je suis un politicien, je suis un analyste, je suis leader d'opinion, tout ce que je suis en train de faire ce travail, pas pour plaire à un individu, à un groupe d'individus, mais je le fais pour le bien de mon peuple. Nous avions dénoncé sur Mouyège. Ce ne sont pas des mensonges. Je ne peux pas seulement passer mon temps sur un plateau, n'est-ce pas, développer, faire des accusations gratuites non plus. Mais au contraire, le camp Mouyège, n'est-ce pas, étant jaloux de la gestion de Fifi Masuka Saline à telle province, n'est-ce pas. Alors, Mouyège est allé plus loin parce qu'il avait déjà promis. Il avait promis à quelques députés de l'Assemblée provinciale de là-bas que lorsque je serai déchu, ou soit je serai arrêté, je ne vous laisserai jamais à l'aise. Je vais vous combattre jusqu'au bout, ce sont les propos de Mouyège. Il me regarde, c'est la vérité. Et il avait dit, c'est en présence de tous. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que moi, ça ne me surprend pas. Mouyège a ramené les étudiants de l'école ici, à Kinshasa. Les étudiants, on a payé le billet, ils sont ici. Ce sont eux qu'on utilise comme société civile, derrière une dénomination comme ça. Ils ont écrit partout pour dénoncer que Madame Excellence Fifi Masuka Saline, elle est tribaliste, elle est ceci, elle a créé le problème. Or, nous avions souligné ici, le problème entre Mouyège et les institutions, c'est un problème politique et judiciaire. Ça n'a rien à voir avec les tribunes ou les ethnies. Au contraire, c'est une nouveauté dans la province de là-bas. D'abord, la ceinture de vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka ne sont pas de sa tribu. Je vous parle d'abord de son instance principale, qui n'est ni de loin ni de près membre de sa tribu ni de son ethnie.
se sont rapprochés. Il n'est même pas membre de sa tribu. Donc, Philippe Massouka, c'est une femme exceptionnelle. Va même dans la salle des communications, vous allez voir, même les Balouba du Kassai sont là. Même les gens de Bandundu sont là. Les Bangala sont dans la salle des communications, qui est vraiment une cellule de communication très différente avec celle de Mouyège. Vous allez réaliser avec moi que Yav Kachung, le directeur du cabinet de Mouyège, était ronde. Même ses rapprochés, les policiers, sont des rondes. Allons-y dans la salle de communication. Tous les membres de la salle de communication, ce sont des rondes. Donc vous comprenez qu'on avait fait, on avait tribalisé, éthinisé l'institution. Donc à la différence de ce que les gens font, comme en rencontrant sur les réseaux sociaux, sur les médias en ligne, nous on s'en fout. Très bien. Donc nous sommes là pour parler des choses concrètes, des choses vraies que les Congolais ont besoin de voir. Nous avions dénoncé sous la mégestion une gestion opaque de Mouyège à la tête de la province de Lualaba, qui a mené, la province à la gouffre. Aujourd'hui, la personne qui est en train de soulever la province, c'est Fifi Massouka. Très bien, on va entrer dans les menus de cette émission, mais avant cela, est-ce que vous avez l'habitude de suivre les sports et principalement les foot? Si. Constant Maria a rendu l'établi, il n'est plus président de la FECOFA. Après, je crois, 15 ou 17 ans passés à la tête de cette... Vous savez, la culture de la démocratie, de cette structure, dans la gestion de plusieurs institutions, pose un problème, surtout en Afrique subsaharienne. Moi, je veux, personnellement, je suis quasi content par rapport à ce... à la décision qu'il a prise, n'est-ce pas, de quitter la FECOFA et faire autre chose. Mais après avoir passé beaucoup de temps, après avoir trahi cette grande institution, à l'époque où il a corrompu des gens ici pour obtenir le même poste plusieurs et plusieurs fois, alors je ne pense pas qu'il est parti à bon escient, il est parti sous pression, il est parti sous insulte. Il y a beaucoup de gens qui l'ont insulté et qu'il est parti comme ça. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, n'est-ce pas, d'avoir cette culture, même si on a encore l'énergie, même si on a encore la force, même si on a encore de l'intelligence, et que l'échéance est déterminée par rapport à l'exercice, n'est-ce pas, et limitée. Accepte de laisser la place à l'autre, même si tu avais voulu de construire des stades sur nos têtes. Mais quelqu'un d'autre peut le faire, c'est tout comme en politique aujourd'hui, que Félix Tshisekedi respecte sa parole. Vous avez suivi, il a martelé plusieurs fois qu'il y aura toujours les élections dans le délai. Donc ce qui s'est passé, c'est un long événement, moi ça ne me surprend pas, mais sinon je suis content que ce pote soit réservé à d'autres personnes qui peuvent, n'est-ce pas, être l'incarnation aussi des valeurs démocratiques. Son bilan à la tête de la FECOFA, zéro. Est-ce que c'est positif? Zéro. Ah bon? Ouais, je l'ai dit zéro. Très bien, on va parler politique cette fois avec, je préfère qu'on puisse commencer d'abord par Matata Ponyo, les sénateurs ont voté contre la levée des immunités parlementaires de Matata Ponyo. C'était à la suite du réquisitoire adressé par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle au bureau du Sénat. D'abord, ça a connu des complications. Et finalement, c'est lundi 15 juin, lors de la clôture de la session de mars, les sénateurs ont voté contre la levée des immunités de Matata Ponyo. 49 ont voté contre, 46 ont voté pour. Il y a un sénateur qui s'est abstenu du vote. Alors, d'une manière globale, comment jugez-vous aujourd'hui l'attitude prise par les sénateurs? Vous savez, cette attitude, c'est une attitude hypocrite. Parce que aujourd'hui, je réalise que la plupart des gens qui sont dans l'Union sacrée de la nation ne sont pas du tout convertis. Ce sont des aventuriers qui ont sauté sous l'opportunité croyant qu'en traversant, peut-être ils pouvaient conserver leur fauteuil, ils pouvaient être en sécurité, sécuriser leurs biens mal acquis, n'est-ce pas, pendant la législature de Kabila, ainsi de suite. Vous avez réalisé aujourd'hui que la plupart des gens qui passent à la télé pour célébrer Félix Antoine Tshisekedi président public, normalement, ils n'appuient pas à bon escient. Cela prouve aussi qu'en 2023, vous allez voir que la majorité des gens vont sortir de leur torpeur, n'est-ce pas, pour prouver à Tshisekedi leur vraie face. Parce que c'est aujourd'hui. L'Union sacrée de la nation, c'est une vision patriotique qui vise, n'est-ce pas, l'intérêt du peuple que l'intérêt catégoriel. Parce que vous pouvez accepter de protéger quelqu'un qui a détourné plus de 215 millions de dollars destinés à un projet qui devrait rendre, faciliter la vie sociale des Congolais. Vous êtes là, les sénateurs. Vous acceptez que quelqu'un pareil, n'est-ce pas, soit protégé par vous. Vous protégez un ennemi, n'est-ce pas, du fonctionnement, du développement et de la stabilité du social de votre peuple. Et vous acceptez de les protéger. Je pense que l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale, je m'excuse, devraient réfléchir là-dessus. Le Sénat. L'Assemblée.
okay. devraient réfléchir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on doit revoir cette disposition d'élever des immunités, des tourneurs, et surtout ceux qui ont la casquette, n'est-ce pas, des prérogatives légales, ceux qui sont protégés par la loi. Ces prérogatives, dans les circonstances où vous êtes cité dans le détournement, on ne juge pas en fonction, n'est-ce pas, des prérogatives légales ou immunités. Vous comprenez? Moi, je trouve que ceci, lorsque tu es cité dans le détournement, alors ça tombe dans la circonstance d'urgence. Pour qu'on ne recourt pas, n'est-ce pas, au lever des immunités. Parce que tous ces gens-là se cachent derrière. Vous voyez, tous ces ministres, ils ont double casquette. La plupart sont des députés, des sénateurs, ils sont encore ministres. Alors, lorsqu'il va dans l'exécutif, il fait des bavures, il détourne l'argent, il fait n'importe quoi. Il court vite, il se cache derrière des immunités. Après mandat, il prend tangente, il sort le pays, il va à l'extérieur du pays. C'est ça le système. On va aller comme ça jusqu'où? C'est pourquoi j'appelle toute la société civile de la République démocratique du Congo d'ouvrir les yeux sur le comportement des sénateurs. Parce que nous sommes dans l'union sacrée de la nation. Nous avons voulu diriger selon la vision chef de l'État, qui est très différente de la vision, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. Comment expliquer qu'un sénateur qui est au service du peuple peut protéger quelqu'un qui est considéré comme l'ennemi du peuple par le fait qu'il a détourné beaucoup d'argent du pays? Et vous, vous êtes là, vous le protégez, vous êtes à l'aise dans vos costumes, des légères souris pleines de charme. Et demain, vous avez un alibi, vous pouvez passer devant les camarades, vous parlez de n'importe quoi. Non, on en a marre. On ne peut pas accepter que ce genre de comportement dégénère. Parce que Matata Pogné n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Beaucoup de détourneurs de fonds sont là-bas. Mais ce n'est pas terminé quand vous dites qu'il est sauvé. Il est sauvé pour 2 ans et demi. Parce que le mandat termine en 2023. Lorsqu'il y aura élection. Mais pendant qu'il y aura le truc en 2023, moi je propose, n'est-ce pas, qu'il y aura une pression populaire. Parce que c'est ça ce qui peut bouleverser la décision. Alors, il est certes vrai que les sénateurs jouissent de leur liberté de penser, de leur liberté d'esprit, mais est-ce que les refus pour ces sénateurs de lever les immunités de Matata Pogné, déjà il faut rappeler qu'ils n'étaient pas obligés aussi de le faire, n'est-il pas un coup donné à l'Union sacrée et à son initiateur, le président de la République, parce qu'on va s'y rappeler, je crois, une semaine plus tôt, le président avait réuni à peu près 85 sénateurs acquis à l'Union sacrée, mais là, on est passé au vote et les résultats étaient scandaleux. 85 sénateurs acquis à l'Union sacrée, mais il n'y a que 46 qui votent pour la levée des immunités de Matata Pogné. Est-ce que la sincérité dans cette Union sacrée existe réellement? Vous savez, le problème, c'est quoi? Je vous ai dit ici au début que la plupart, ce sont des infiltrés. La plupart restent loyales à leur position ancienne. Ils restent loyales à Kabila. Mais ils font semblant d'être dans l'Union sacrée de la nation avec le président de la République. Ils ont de rancœur. Ils regardent des problèmes dans leur cœur. Ils cherchent à s'avancer d'une manière ou d'une autre. Vous savez, chaque décision se justifie, n'est-ce pas, à travers une raison, un mobile bien fondé. Qu'est-ce qui a poussé les députés à voter contre la levée des immunités? Ça va se justifier parce que la justice est rendue au nom du peuple. Est-ce que vous moquez de votre population? Parce que nous voulons voir notre argent être, n'est-ce pas, remis dans les trésors publics pour permettre au gouvernement d'exécuter ce programme, permettre au peuple de vivre ce qu'il voulait vivre. 200 millions quelque chose. C'est beaucoup d'argent. Donc ça se cache quelque chose. Comme vous voulez, c'est aussi en quelque sorte une façon de saboter l'action du gouvernement et saboter notre justice. Vous pensez que le pouvoir judiciaire, là où ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Parce que les institutions sont appelées à coopérer. Nous sommes dans la coopérative institutionnelle. Comment expliquer que le Sénat peut se comporter ainsi devant le pouvoir judiciaire? C'est inconcevable. Dans un pays qui se veut de droit, je vous ai dit la fois passée qu'un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne gouvernant comme gouverné ne peut se mettre au-dessus de la loi, c'est celui qui respecte le droit de tous. Nous sommes dans la démocratie. La démocratie a ses piliers. En l'occurrence, nous avons la justice, une justice indépendante. Alors la justice doit faire son travail, n'est-ce pas, pour élever sa nation à travers son comportement dans des dossiers pareils. Alors le comportement de ces sénateurs, c'est un comportement qui va pousser le peuple à les sanctionner. Est-ce qu'il y a la sincérité au sein de l'Union sacrée? Parce que moi, je conçois quand même très mal que le président de la République ait reçu 85 sénateurs une semaine avant les votes. Et arrivé au moment du vote, il n'y a que 46 qui votent pour la pétition. Alors qu'il y a, nous savons tous que l'Union sacrée aujourd'hui est majoritaire. Est-ce que cette majorité rassure-t-elle le président de la République? Oui, en quelque sorte, vous savez, le changement, ce n'est pas... Parce qu'il faut aussi rappeler qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a aussi refusé de voter la loi sur l'habilitation du gouvernement, je crois. Ça s'est passé au même moment. Vous savez, le problème, c'est quoi? Assemblée nationale et Sénat. Vous savez, le problème, c'est quoi? Le changement, ça ne peut pas se faire par un coup de bateau magique. Nous avons confiance
à ceux qui ont déjà fait un grand pas. Mais je sais que ça va venir. Même à l'époque où l'Union Sacrée est en train de faire une squelette pour se construire, n'est-ce pas, sa structure, ce n'était pas facile. Les gens ont traversé même à la dernière minute. Ils savaient pourquoi ils ont traversé. C'est pourquoi vous avez, il y a encore un problème d'assainir l'Union Sacrée de la Nation avec de nouveaux mécanismes qui peuvent permettre, n'est-ce pas, en contraint de ces gens à comprendre que vous êtes là pour le compte de votre peuple, vous devez servir votre peuple, que servir vos intérêts ou les autorités morales. Parce que cette histoire a démarré depuis 18 ans et que nous devons faire en sorte de les combattre avec un autre système. Tu vois? Alors, moi je trouve que ce que les sénateurs venaient de faire, c'est une insulte, n'est-ce pas, aux efforts que le chef de l'État est en train de faire pour l'Union Sacrée de la Nation. Le grand souci aujourd'hui, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, voir tous ces détourneurs devant la justice te répondre et justifier l'absence, n'est-ce pas, de ces grosses sommes d'argent que le pays devrait encaisser et puis servir son peuple. Moi, je trouve que le chef de l'État a encore du travail et nous avons besoin de lui apporter notre soutien. Les gens qui sont encore dans l'Union Sacrée, les gens qui sont là-bas, ne fermez pas les yeux, ouvrez les yeux, regardez comment les députés et les sénateurs se comportent. Moi, je ne suis pas pour l'idée selon laquelle il faut bannir les sénats, non. N'est-ce pas? Moi, je suis pas. Vous ne partagez pas l'avis des Mbikai? Non, je ne suis pas pour. Il ne faut pas développer des sentiments. Les institutions sont légitimement établies, sont dans la loi, ce sont des institutions traditionnelles qui existent depuis longtemps. Alors moi, je trouve que ce qui est important, c'est de voir quelques dispositions constitutionnelles et réglementaires qui peuvent faire en sorte que chaque personne se trouve dans la position de faiblesse devant la loi lorsqu'il commet quelque chose, n'est-ce pas, alors qu'il soit poursuivi. Tu vois le truc avec l'élevé des immunités parlementaires, dans d'autres pays, ça n'existe pas. Il y a même un haut magistrat, je crois, lors de la rentrée judiciaire de 2019-2020, qui avait proposé à ce qu'on puisse supprimer cette histoire des immunités. Mais c'est ça, parce qu'on est tous égaux devant la loi. Mais comment c'est ça. Un député sénateur doit être protégé par des immunités. Moi, journaliste, lorsque j'ai commis un crime, on me prend directement comme ça. C'est ça. Moi-même, je lance un appel. Je pense d'abord, je suis le coordonnateur d'un grand mouvement de la société civile. Nous allons bientôt lancer le mouvement pour que les immunités parlementaires soient supprimées, tout ça. Supprimées, bien sûr, parce que ça ne sert à rien. Au contraire, ça bloque le fonctionnement des institutions, ça bloque le fonctionnement de la justice. Imaginez-vous que ma tante a pogné là très à l'aise, il a corrompu les gens qui l'ont corrompu. Et après un moment, et puis les députés se sont enterrés, ils disent voilà, il est sauvé. Il est sauvé entre le Médici. Donc vous moquez de votre peuple, parce que l'argent, c'est l'argent des contribuables congolais. Il a donné cet argent pour que les institutions fonctionnent, afin que leur peuple se retrouve. Vous savez bien que le chef de l'État a un projet. Il a un contrat qu'il a signé avec le peuple pour une échéance de 5 ans. Et Tshisekedi fait en sorte que cet argent favorise, n'est-ce pas, la mise en application de son programme d'action, afin que les Congolais sentent que le chef travaille. Mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui a détourné l'argent et qu'on demeure dans l'impunité. Vous vous moquez des gens? Cette histoire d'immunité, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être. Parce que ça s'est contredit. Les Congolais, la Constitution dit tout Congolais naît égaux en genre et en dignité. Nous sommes égaux devant la loi. Alors cette particularité. Mais comment un groupe de gens. Mais doivent être protégés par les prérogatives légales. Après, ceci construit un appareil, construit une barricade pour, les poursuites judiciaires. Ça bloque la justice. La justice ne peut pas bien fonctionner. Très bien. Alors, est-ce que Bati Lukwebo, président du Sénat, qui fait partie aussi des figures emblématiques de l'Union Sacrée, a-t-il une part de responsabilité dans ce qui est arrivé hier? Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu bizarre. Mathieu Tapoune avait d'abord présenté ses moyens de défense, on est passé au vote, et que bizarrement à la fin, c'est Mathieu qui prend encore la parole pour remercier les présidents du Sénat, pour remercier les sénateurs, remercier même les Congolais, je ne sais pas pourquoi, et pour même se justifier encore et dire que je n'ai jamais touché ni de près ni de loin l'argent des Boukangalons. Est-ce que tous ces discours, tous ces scénarios, c'était préparé? C'était préparé, c'était prévisible. Bati Lukwebo, moi je n'ai pas peur de citer son nom, le président du Sénat. C'est un esprit faible. Comment ça? C'est un esprit faible. Parce comment vous pouvez qualifier mais je vous dis, quelqu'un qui a défié Joseph Kabila? Mais défier Joseph Kabila, c'est pour avoir un poste. Moi je ne suis pas derrière Bati, je ne suis pas derrière qui que ce soit. Moi je suis le serviteur du peuple. C'est un esprit faible. Un président du Sénat, d'abord, l'attitude qu'il a manifestée dès l'entrée, n'est-ce pas, de la lettre, de la correspondance de la justice ou du procureur après la cour d'appel de cassation. Séance à huis clos. Mais écoute.
cette attitude, ce comportement. Mise en place d'une commission. Mais oui, ça a déjà manifesté déjà la position de Bahati. Bahati était ministre de l'économie à l'époque. Il est complice dans l'histoire des Bokangalos. Il ne peut pas accepter que Matata Ponyo soit livré afin que lui aussi soit poursuivi. Vous comprenez? Il était là de mèche avec lui. Qu'est-ce qui pouvait se faire chez Bokangalos de ça que l'économie soit au courant? C'est bizarre. Oui, Bahati Lukobo comme président du Sénat ne pouvait pas aussi influencer les votes des sénateurs. La procédure, elle est... Chaque sénateur a voté librement. Non. Moi, je ne veux pas dire que Bahati a servi. Non, il a servi des ponts. Des ponts entre qui? Entre les sénateurs et Matata Ponyo. Ça, c'est mon point de vue. Alors, nous, nous ne voulons pas nous cacher derrière leur hypocrisie. Nous ne voulons pas. Il ne faut pas rendre un mauvais service à ce pays qui a encore besoin des gens qui ont la chaleur, n'est-ce pas, du patriotisme, pour pousser ce pays sur un élan de développement. On ne peut pas accepter que cela se passe comme ça. Alors, les présidents est en déplacement. Est-ce qu'à son retour à Kinshasa, doit-on s'attendre à une sorte de rappel des troupes vis-à-vis des sénateurs? Moi, je pense. Ce qu'il faut faire pour... Rappel à l'ordre plutôt. Non, rappel à l'ordre, pourquoi? Là, c'est le peuple qui doit s'en prendre. Parce que le président avait quand même reçu les sénateurs une semaine. Il les avait reçus. Pour leur demander de... Écoute, faire obstacle à l'action de la justice. C'est dans le cadre institutionnel. Mais comme la justice est rendue au nom du peuple, moi j'appelle tout le peuple congolais de se mobiliser pour manifester contre ces sénateurs. La levée des immunités doit avoir lieu. Voilà. J'appelle toutes les forces vives de la République de Mandine Congo, partout où vous vous retrouvez. Ne dormez pas, n'acceptez pas que votre argent soit, n'est-ce pas, jeté comme ça, que votre argent soit utilisé par un individu, un seul individu. Il s'approprie votre argent, il va se cacher derrière les immunités que la Kabylie lui est offerte, et c'est fini, il est à l'aise, il prend le micro, il va remercier les gens, il est très à l'aise, mais il a bouffé votre argent, il a investi partout. Non. Et il n'est pas le seul qui a été sauvé par les sénateurs. Il y a aussi une autre dame qui est aussi sénatrice, son nom m'a échappé, qui a été aussi sauvée par les sénateurs. Elle s'appelle Ida Kamouni Kalonji, je crois. Nous allons contourner cette histoire, Hervé. Alors, est-ce que... Le peuple gagne toujours, vous connaissez le slogan. Très bien. Une dernière question pour passer à un autre sujet. Quelle attitude le président de la République doit-il prendre vis-à-vis de Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat, qui, à mon avis, devait aussi impulser certaines choses. C'est lui qui a d'ailleurs conduit la délégation des sénateurs de l'Union sacrée reçue par le chef de l'État. Les présidents essayent de dialoguer avec eux. Les présidents demandent aux sénateurs de ne pas... faire obstruction à l'action de la justice, mais arriver les jours du vol, c'est autre chose qui se passe. Alors, quelle attitude le président de la République doit-il prendre aujourd'hui vis-à-vis de Bahati Lukwebo? Vous savez, si le président prend une attitude face à Bahati Lukwebo, c'est comme qui dirait le chef de l'État, c'est celui qui avait envoyé le procureur pour saisir le Sénat. Donc ça n'a pas son sens. Le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, a voulu interpeller le Sénat comme institution pour que le Sénat conforme leur façon de faire pour ne pas préjudicer une autre institution. Je pense qu'il peut se borner par là. Il ne peut pas continuer à faire pression comme si c'est lui qui est derrière la justice. Je ne pense pas. Alors je trouve que Bahati, le chef de l'État, le laisse faire son travail. Voyez-vous Bahati être toujours en odeur de sainteté avec le chef de l'État? Bon, entre parenthèses, je ne suis pas porte-parole du chef de l'État, mais je pense en ce qui me concerne, moi, déjà, ce que Bahati fait, moi, ça me déplaît. Si ça me déplaît, parce que moi, je partage le même avis avec le point de vue du chef de l'État, je pense que le chef de l'État, dans la même ombre d'idée, il n'est pas content aussi. Parce qu'il ne veut pas que la justice soit préjudiciée. Très bien. On va parler cette fois-ci de Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du chef de l'État, président du parti politique Union pour la Nation Congolaise, condamné au premier degré à 20 ans des travaux forcés, c'était au mois de juin 2020. Il est allé en appel. Et là, au second degré, sa peine a été réduite de 20 à 13 ans des travaux forcés. Sami Djamal, qui a été aussi condamné pour la même affaire, passe de 20 à 6 ans. Mouima passe de 3 à 1 an. Alors, finalement, est-ce que Vital Kamerhe, c'est l'homme à abattre? Vital Kamerhe, c'est pas un modèle. C'est un homme intelligent. C'est un ordinaire en politique. Mais Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui cherche à mettre son intelligence au service du mal. Comment ça, les pacificateurs? Pacificateurs, les promoteurs de la jeunesse. Écoute, ils prennent des sobriquets sans contenu.
C'est creux. Pacificateur, il a pacifié quoi. Vous voyez le fait que Vital Kamerhe était directeur du cabinet du président public. Mmh. Il y avait toujours des fuites d'informations de la présidence sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? En même temps, le coup qu'il venait de faire à l'État congolais, pas au président public, de détourner l'argent de l'État. Alors, il a toujours clamé son innocence. Il clame son innocence. Tout le monde peut toujours le faire. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, je pense qu'il peut que le faire. Mais je pense que la réduction de cette peine m'a fait très mal. Très mal pourquoi? Moi, je comptais peut-être qu'il soit condamné à mort. Ah bon? Oui. Parce que les gens qui détournent l'argent de l'État, c'est plus que assassiné. Donc, il est plus qu'un assassin. Il peut être condamné à mort pour laisser la place à d'autres jeunes, à d'autres personnes, n'est-ce pas, de faire la politique autrement, pour privilégier les intérêts du peuple, que vouloir s'enrichir le plus vite possible. Alors, cette histoire avec Vital Kamerhe, il n'est pas l'unique intelligent ou il n'est pas l'unique qui fait partie du groupe des intelligents de la République. Il y a des hommes très sages, très compétents, très utiles que Vital Kamerhe, qui œuvrent dans ce pays, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce poste-là. L'UNC, voilà. Son parti politique, décrit la politisation de ces procès. Il y a des maisons préfabriquées qui sont déjà ici ou même bloquées dans certains, dans des frontières de nos pays voisins. On cite la Tanzanie et l'Angola. La justice ne veut pas s'intéresser à cet aspect des choses. Est-ce que vous partagez l'avis de l'UNC qui pense qu'on a politisé cette affaire et qu'on veut justement avoir seulement la tête de Vital Kamerhe? Non. Peut-être que Vital Kamerhe représente quoi? Qui veut la tête de Vital Kamerhe? C'est un grand leader politique. Un grand leader politique, on n'en discute pas. Présidentiable. Mais Vital Kamerhe n'est pas influent. Vous le pensez? Mais oui, je vous dis la vérité. Vous pouvez évoluer la légitimité de Vital Kamerhe à quel degré? Les faiseurs de rois. Non, les faiseurs de rois, ce sont des propos des faibles. Des gens qui veulent corrompre les autres pour avoir de l'argent. Ils peuvent utiliser n'importe quoi. Mais c'est que moi, je voudrais vous dire que Vital Kamerhe n'est pas utile plus que tout le monde. C'est un détourneur de fonds, il mérite la prison. Moi, d'après moi, je voudrais qu'il soit condamné à perpétuité. Alors, on n'a pas besoin de gens qui volent l'argent et puis revenir encore dans les institutions, non. Alors, Vital Kamerhe, Sami Djamal, Mouima Pierre, je crois, ou Jean-Pierre Mouima, ont été tous condamnés pour la même affaire. Mais comment Kamerhe, qui était aussi condamné à 20 ans de travaux forcés comme Sami Djamal, voit sa peine être réduite à 13 ans, tandis que Djamal passe de 20 à 6 ans? Écoute, qui a amené Djamal dans ce dossier? C'est Vital Kamerhe, faiseur d'hommes, faiseur de rois. C'est lui-même le voleur qui a commencé. Et tout ça, c'était ses complices. C'est-à-dire, le voleur mérite mieux que ses complices. Vous comprenez? Donc, il mérite ça parce que c'est lui qui avait induit tout le monde dans cette histoire-là. Cette affaire sale de détournement d'argent de l'État. C'est pourquoi nous plaidons même pour la cause de Mouyej. Mouyej, lui mérite la perpétuité. Et l'UNC, les partis de Vital Kamerhe annoncent des grandes décisions. Peut-être la coalition avec l'UDPS risque d'être disloquée. Ils peuvent quitter également le gouvernement. Mais qu'ils quittent. Ils vont aller en chômage, ça change quoi? L'UDPS est parti au pouvoir. 385 fédérations à travers le monde. Est-ce que c'est comparable à l'UNC? Vous vous rappelez en 2011, le feu président de Tshisekedi Wamuluba. L'UNC a à peine 10 ans. L'UDPS seul peut aller aux élections sans coalition. Près de 40 ans. Oui. Alors vous pouvez vous imaginer, mais l'UNC, par rapport à l'UDPS, il n'y a pas photo. Qui se dissocie de l'UDPS, ça ne fait ni chaud ni froid. Il faut comprendre que c'est une affaire. Ça ne va pas porter un coup dur au président non, de la République. Non, coup dur, pourquoi? Il y a des hommes encore compétents et capables de remplacer les ministres de l'UNC là où ils sont nommés. L'UNC représente quand même quelque chose. L'UNC représente quelque chose, on n'a pas revisé. Près de 15 députés ou je ne sais pas, 20. Infinitésimal. Même si 5 membres au gouvernement. Un parti politique sur comme les 600 quelques partis. Vous allez menacer le pouvoir, vous menacez de quitter le gouvernement. Alors ça change. Vous avez condamné leur leader injustement. Pas injustement. Tous ces arguments-là, les préfabriqués, ils allaient déposer ça devant la justice. Ils se sont justifiés plusieurs fois. Leur leader est en face des juges. Mais les maisons sont là. La justice, mais les maisons sont là. Ça, c'est toi et moi sur les plateaux. Pas mais on était ça. Devant les juges. Mmh. Les juges ont posé toutes les questions du monde. Et Kamerhe a porté toutes les réponses du monde. Mais ça n'a pas convaincu. C'était des mensonges. Très bien, on va terminer l'émission avec la tournée du président de la République, Félix Tshisekedi, au niveau du Nord Kivu. Le président a visité les sinistrés, le président doit être également à Beni. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé au niveau de Beni. Et le président a aussi annoncé les mesures pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 au niveau de Goma, c'était hier.
est-ce que les mesures annoncées par les chefs de l'État cadrent-elles avec nos réalités? Si. Si. La décision, les chefs ne les prennent pas directement. Il y a une équipe. Il y a l'INERB, il y a le ministère de la Santé. Ce sont eux qui étudient, n'est-ce pas? Sur le plan technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un état des lieux, ils comprennent, voilà, il faut intervenir comme ça. Et puis, il faut un rapport à qui de droit, c'est le chef de l'État. Et c'est celui qui décide, c'est en fonction, n'est-ce pas, du travail de l'équipe technique. Oui. Donc, le chef ne peut pas prendre une décision venant de son, de sa tête, directement à sa tombe. Non, non, on a étudié tous les moyens possibles, on a fait une étude, on a compris que, voilà, les mesures paraissent par rapport aux réalités de l'heure. C'est comme ça que les gens peuvent se comporter, c'est très intéressant. Fermeture des bars, les boîtes de nuit durant 15 jours, on laisse les églises, les universités. On ne réduit pas les nombres des passants à bord de nos bus qu'on appelle communément Transco. Est-ce que la Covid-19 n'existe ou ne circule que dans les bars? Bon, partout. Hein, parce que dans le bar, le comportement dans le bar, c'est plus les câlins, c'est plus un rapprochement, vous voyez. Et ça, ça facilite aussi la transmission, n'est-ce pas, de la maladie. C'est les mêmes tandis que dans, à l'université, à l'école. Ou dans les églises. Non, 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 à l'université, à l'école. Aller à l'UNIKIN. Mais je vous dis. Aller voir à l'UNIKIN. Je vous dis, à l'université, c'est possible que les étudiants, n'est-ce pas, c'est possible aussi à l'église que les fidèles respectent le misère et barrières parce qu'il y a des gens qui dirigent. Mais dans un bar, qui dirige? Personne ne dirige dans un bar. Dans un restaurant, c'est très difficile. Vous avez compris qu'on a fait vraiment une étude qui est fondée et que les mesures peuvent être d'application. Très bien, on va devoir terminer cette émission, mais d'une manière globale, comment analysez-vous les voyages ou les déplacements du chef de l'État au niveau du Nord Kivu? Il y a des gens qui pensent que le chef est allé tardivement, quand ça brûlait encore, il n'avait pas voulu partir, et maintenant qu'il y a un peu une sorte d'accalmie, le président s'est déplacé. Comment, que répondez-vous à ces gens? Vous savez, une chose, c'est que le chef de l'État n'est pas l'unique institution qui a appelé à intervenir dans toute chose. N'est-ce pas? Il y a un gouvernement, il y a des ministères sectoriels. Et sur place, là-bas, au Nord Kivu, il y a un gouvernement provincial. Vous comprenez? Non, le problème, ce n'est pas seulement Tshisekedi qui doit arriver là-bas pour qu'on trouve que non, l'État intervient. Non, non. L'État intervient partout. Il y a un gouverneur militaire qui est là-bas, il y a un gouvernement provincial, il y a des humanitaires sont là. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État arrive que lorsque son cahier des charges lui permet de partir. Il a comme parti avec nos gens de Goma. Et c'était très intéressant. Je vais terminer en quelques secondes. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Bon, mon dernier message au public, c'est que les Congolais, vous devez ouvrir les yeux. Ne laissez pas les sénateurs marcher sur vos intérêts. Donc, je pense qu'il est le moment de se soulever. Il est le moment de se tenir debout pour affronter ce Sénat. Leur dire que nous avons besoin que la justice soit faite sur Matata Ponyo et tous les autres sénateurs impliqués dans l'endettement des fonds de l'État. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que j'appelle tous les enfants du Lualaba, les filles et les fils du Lualaba, de faire confiance à l'excellence Fumasu Kasaïn et de ne pas prendre en compte tous les mensonges qui se rencontrent partout par le promouillage, parce qu'il est passé à une autre vitesse. Il a recruté de nouvelles figures ici à Kinshasa. Il a fait venir des gens du Lualaba, ainsi de suite. Mais il sait lui-même dans son cœur qu'il a détourné l'argent de l'État, il a détruit la province et qu'il cherche toujours à faire mal à Madame Fifi parce qu'elle est en train de faire des choses remarquables dans moins de 5 mois. Mardouche Nsele, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique. Mention spéciale à Judith Itoma depuis les États-Unis, fidèle téléspectatrice de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.